Pas les personnalités. Bon, vous lui dites à lui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici Pierre Lectin qui vous parle du stade du 10e anniversaire à Varsovie sur des images de notre ami de la télévision polonaise, Georges Budny. Dzień dobry paniom i panom, smaczmy go. Cela veut dire bonjour, mesdames, messieurs, bon appétit, car au moment où nous vous parlons, certains d'entre vous sont encore à table et tout naturellement, je viens leur souhaiter un très bon appétit. Au menu pour nous, vous le savez, le match France-Pologne. Pologne-France comptant pour le championnat d'Europe des nations. C'est un des matchs du tour éliminatoire. Toutes les nations européennes ont été réparties, vous le savez, en groupes. La France joue dans le groupe numéro 7 en compagnie de la Pologne, de la Belgique et du Luxembourg. Au classement actuel, c'est la Pologne qui est en tête avec 5 points pour 4 matchs joués. Elle précède la France qui compte 4 points pour 3 matchs joués. À égalité, quelle est la France avec la Belgique? L'équipe de France a battu la Pologne au match aller par 2-1. Elle a battu également le Luxembourg par 3-0, mais s'est inclinée devant la Belgique par 2-1. La France, après ce match contre la Pologne, un match capital, vous le devinez, affrontera la Belgique le 28 octobre à Nantes, puis le Luxembourg le 2 décembre. Afin de se qualifier pour les phases finales, il n'y a pas de problème pour l'équipe de France. Elle se doit absolument de ramasser le maximum de points, c'est-à-dire de vaincre aujourd'hui et de battre également la Belgique le 28 octobre prochain. Actuellement, sur votre écran, vous voyez l'orchestre militaire polonais qui correspond, si vous voulez, à notre garde nationale, alors que les arbitres et les joueurs des deux équipes pénètrent également sur le terrain et viennent s'aligner devant la tribune officielle. Je vais en profiter tout de suite pour vous donner la composition des deux équipes. Pour l'équipe de Pologne, dans les buts, Kocka. Numéro 2, Kowalski. Numéro 5, Gmok. Numéro 3, Oślidzo. Numéro 4, Angziok. Dans la ligne intermédiaire, de droite à gauche, Brigzi. Numéro 8, Suski. Numéro 6. Dans la ligne d'attaque, de droite à gauche, Faber. Numéro 7, Lubanski. Numéro 9, Scholtysik. Numéro 10 et Gadora. Numéro 11. Pour l'équipe de France, dans les buts au bourg, à l'arrière, de droite à gauche, Djorkaeff numéro 2, Mitorage numéro 4, Bosquier numéro 5 et Baeza numéro 3. Dans la ligne intermédiaire, Herbin numéro 8 et Michel numéro 6. Dans la ligne d'attaque, de droite à gauche, Herbin numéro 7, Guy numéro 9, Dinalo numéro 10 et Loubet numéro 11. Alors que le speaker sur le stade annonce la composition des équipes, il y a environ ici, dans ce stade du 10e anniversaire, 75 000 spectateurs. C'est un stade d'une contenance de 100 000 places. Des personnalités viennent de prendre place dans la tribune officielle. Nous ne connaissons pas encore le nom de ces personnalités. Nous savons, voici l'exécution des hymnes nationaux.
deuxième anniversaire applaudit après l'exécution des hymnes nationaux, la Marseillaise et l'hymne national polonais. Il y a une ambiance considérable dans ce stade que je vais vous présenter maintenant. Le stade du 10e anniversaire est de conception moderne. C'est une vaste arène au gradin circulaire d'une contenance, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 100 000 places. Il y a aujourd'hui 75 000 spectateurs. La pelouse est bien gazonnée, très verdoyante. Les joueurs vont évoluer sur un tapis épais, mais sec. En effet, il n'a pas plu à Varsovie depuis une dizaine de jours. Le temps est gris aujourd'hui, nuageux, il fait lourd. C'est un mauvais temps pour le football. Le vent souffle en diagonale du terrain, mais enfin, un vent qui n'est pas très très fort. On me signale l'arrivée dans la tribune officielle de notre ambassadeur de France, son Excellence, Monsieur Arnaud Vapler, qui vient prendre place dans la tribune officielle. Nous notons également la présence d'un représentant du gouvernement polonais, de Maître Chiarisoli, président de la Fédération française de football, et d'un grand nombre de personnalités. Actuellement, c'est l'équipe de France sur votre écran qui pose pour les photographes. Vous voyez donc cette équipe de France qui va jouer en maillot sombre, culotte blanche. Et voici maintenant l'équipe polonaise qui joue en maillot blanc. Donc pas de problème pour vous. Équipe de France, maillot sombre sur votre écran. Équipe de Pologne, maillot clair. Équipe de Pologne exactement, maillot clair, culotte rouge, bas cerclé, rouge et blanc. Pour l'équipe de France, maillot bleu, maillot tricolore d'ailleurs, maillot bleu, culotte blanche et bas rouge. Les arbitres sont des arbitres autrichiens, c'est une équipe autrichienne qui est emmenée sur le terrain par M. Ferdinand Marschall, qui sera assisté de deux juges de touche, M. Franz Wörer et Alois Kessler. Kessler, c'est un nom qui vous dit quelque chose, ça rappelle les sœurs du même nom, mais lui, il ne ressemble pas du tout aux sœurs Kessler, je vous assure, il est beaucoup moins féminin, il est beaucoup moins joli à regarder, mais enfin, c'est un homme, c'est M. Kessler. Les capitaines des deux équipes viennent d'échanger des fanions. Robert Herbin rapporte ce fanion à un soigneur de l'équipe de France. Et le match maintenant va commencer dans quelques instants. On attendait un peu plus de spectateurs aujourd'hui. Vous savez que le match est télévisé en Pologne et les fervents d'athlétistes sont restés chez eux car ils n'auraient pas eu le temps matériel de rentrer à la maison et d'assister à la deuxième journée de la finale de la Coupe d'Europe à Kiev. Vous connaissez le décor. Vous connaissez les acteurs de ce match. Le coup d'envoi va être donné maintenant dans quelques secondes par l'arbitre M. Marschall et c'est parti. Immédiatement, les supporters polonais se déchaînent. Une longue balle en avant d'une Mibrugi en direction de son ailier. C'est Aubourg qui dégage en direction de Michel, mais la balle sort en touche, une touche pour la Pologne. Touche qui va être effectuée maintenant par Brigitte. C'est ici Lubanski qui a la balle, qui lutte avec un Français. Odlozil, la balle revient en direction de Suski. Suski, le numéro 6. Mais ici, il y a eu une obstruction. C'est un premier coup franc à l'avantage de l'équipe polonaise. Vous remarquerez tout de suite que Herbel, le numéro 7, joue en position de faux ailier. C'est tiré ici par Suski. La défense française renvoie. Ici, c'est Guy qui passe la balle maintenant au numéro 3, c'est-à-dire Baeza, qui effectue ses débuts internationaux aujourd'hui. C'est un dégagement en touche des Polonais. Baeza effectue cette touche en direction de Michel de la tête. Maintenant, en direction d'André Guy, qui est poursuivi par des défenseurs polonais. Il tourne sur lui-même, il lance loin en avant, mais la défense polonaise renvoie immédiatement. Numéro 10, c'est Scholtysik. Scholtysik qui lance loin en avant en direction de Gadoran. Mais Aubourg capte bien le ballon et dégage immédiatement à la main en direction de Herbe. Herbe qui joue en position de faux ailier, je vous le disais il y a quelques instants. Et nouvelle attaque polonaise, mais un joueur polonais est déséquilibré, en l'occurrence Scholtysik, qui jouera un joueur piston. Ici, dans le stade, les Polonais sifflent, hurlent, car un de leurs joueurs vient d'être descendu. Maintenant, le coup franc va être tiré maintenant par le joueur numéro 2, c'est-à-dire par l'arrière Kowalski. Une balle en cloche, une tête
Mais qui sort dehors, dégagement en 6 mètres de Marcel Aubourg. Il y a dans l'équipe de France, vous voyez que les Polonais démarrent extrêmement rapidement. Ils veulent faire la différence immédiatement et je crois que la défense française va avoir à jouer un rôle très important. Dans cette équipe de France, vous avez remarqué, je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase tout à l'heure, c'est que Hervé, qui est actuellement en position d'ailier droit, est en réalité un faux ailier qui a reçu pour mission de revenir derrière, d'aller chercher des balles et ensuite de reprendre au moment de l'attaque française, de reprendre sa place d'ailier droit. Une balle en avant mais qui est dégagée immédiatement par la défense polonaise au centre du terrain. C'est ici le numéro 4, c'est-à-dire Angel qui envoie la balle en direction de son ailier gauche actuel qui est le numéro 9. Bravo, bravo Bosquier qui vient de transmettre la balle magnifiquement à Marcel Aubourg qui est dégagé en direction de Hervé. Hervé au centre du terrain, une balle loin en avant en direction de Loubet, mais Loubet va arriver trop tard. La balle est dégagée par Oschlizio. Oschlizio en direction de Kowalski. Kowalski qui cherche Scholtysik, mais il y a hors-jeu d'un avant polonais, en l'occurrence Lubanski. La balle maintenant est à Robert Herbin en position d'ailier gauche. Il veut lancer Charlie Loubet, mais Loubet n'a pas compris. La passe de Herbin était beaucoup trop en profondeur. Voici Kostka qui vient de dégager. Kostka, balle loin en avant, tête de Herbin. Dinalo qui touche sa première balle en direction de Guy. Herbin la récupère. Herbin. Herbin pour Djorkaeff qui monte à l'attaque. Dégagement des Polonais. Herbin récupère cette balle, mais la pousse trop loin en avant, ce qui va provoquer un dégagement en 6 mètres. Kostka qui dégage très loin en avant, tête de Bosquier. Lubanski, bravo Lubanski qui est un terrible avançant, un excellent joueur en direction du numéro 6, Souski. Gadocha qui reprend la balle, la défense française bien regroupée, tête de Bosquier, Dinalo. Mais la balle est reprise par Gadocha. Balle en avant en direction du numéro 3, Oschlizio. Longue balle en avant. Gadocha qui saute en même temps que Herbin. Balle récupérée par Dinalo, Herbin. Herbin Djorkaeff. Longue balle en avant. Guy récupère cette balle. Dinalo. Loubet, en retrait pour Herbin. Herbin en direct cherchait Dinalo, mais il a trouvé la tête d'un défenseur polonais. Contre-attaque maintenant du côté droit pour la Pologne par Brigi qui descend le long de la ligne de touche. Faber, longue balle en avant. Faber lutte avec Baezak qui a l'air de très très bien se défendre. C'est Bosquier maintenant qui relance la contre-attaque pour la France en direction du Dinalo. Dinalo dans le rond central. Dinalo Guy. Contré par deux défenseurs polonais et contre-attaque à nouveau de la Pologne. Vous voyez que ce match démarre très rapidement. Mitorage, Dinalo, Herbin. Balle latérale pour Michel. Longue balle en avant, mais il n'y a strictement personne. J'ai l'impression que depuis le début de cette rencontre, l'équipe de France essaye de laisser passer l'orage et de contre-attaquer, mais elle procède par longue balle en avant. Et les Français feraient mieux de conserver sa balle et de construire plutôt que de lancer en avant des balles qui n'aboutissent sur personne. J'ai à côté de moi mon excellent confrère de l'équipe Robert Vergne. Et tous les quarts d'heure, nous ferons ensemble le point de ce match. Ça me semble très important de connaître l'opinion d'un technicien du football. En faisant le bilan avec lui, regardez cette contre-attaque de Bosquier, Dinalo. Dinalo qui est chargé assez violemment, mais il s'en tire. Dinalo en retrait pour Michel. Michel qui contrôle assez mal, mais récupère cette balle. À nouveau relance par Scholtysik. Scholtysik, la balle arrive. Bosquier. Bosquier Herbin, qui est le capitaine de l'équipe de France. Herbin en profondeur en direction de Loubet. Loubet, Dinalo en bonne position. Mais Dinalo tire à côté absolument sans conviction.
c'est le premier tir français, mais vous voyez, un tir qui n'a absolument pas appuyé, qui manque nettement de conviction. Angjuk, Djorkaeff intercepte, Dinalo, Herbey, belle interception du numéro 6, c'est d'ailleurs Souski. Relance par Scholtysik, Scholtysik qui cherche Brucy. Les Polonais attaquent à nouveau, leurs attaques sont d'ailleurs beaucoup plus pénétrantes que les attaques françaises. Robert Arbin, Dinalo. Dinalo en direction de Michel. Michel Herbey contrôle très bien cette balle. Ah, il cherchait Dinalo, mais voyez-vous, Dinalo a croisé vers la droite, ce qui a provoqué une interception d'un joueur polonais. Ici, le numéro 9, Lubanski, qui est un très très grand attaquant, qui a été considéré longtemps comme un des meilleurs attaquants européens. Lubanski qui est bloqué par Djorkaeff. Une attaque dangereuse et Bosquier. Bosquier qui effectue un très très bon début de match. Bosquier, longue balle en avant en direction de Loubet. Mais Loubet est pressé. Non, Loubet réussit à échapper à son défenseur. Il continue, mais il est vraiment trop seul. La balle est dégagée par Oschlitzou. Touche pour la France. Loubet. Loubet-Guy. Angjok à son gardien de but, Koschka qui dégage à la main. Koschka, Kowalski. Souski. Souski en direction d'Angjok. Angjok qui manque en position d'ailier gauche. Attaqué par Djorkaeff. Il lance Scholtysik. Scholtysik qui centre. Balle bien captée par Aubourg. Malgré Lubanski, très opportuniste comme vous le voyez. Dégagement à la main d'Aubourg sur Dinalo qui contrôle la poitrine. Dinalo. Dinalo en petite foulée. Va chercher Djorkaeff très certainement. Et non, il trouve un défenseur polonais qui lance immédiatement Scholtysik. Scholtysik poursuivi par Herbey. Il pousse trop loin sa balle en avant. Ce Scholtysik est en réalité Gadora qui pousse trop loin sa balle en avant. Ce qui permet à la balle de sortir et à Marcel Aubourg de pouvoir la dégager. J'ai l'impression que la défense française devrait essayer de marquer de plus près les joueurs polonais qui sont extrêmement vifs, extrêmement adroits et bons techniciens, en particulier un certain monsieur Lubanski, l'avant-centre, un certain Scholtysik qui a pour mission un peu au sein de l'équipe polonaise de relancer l'attaque polonaise au moment de la contre-attaque et de revenir en arrière au moment des attaques françaises. Mitorage. L'arbitre trouve que Lubanski a poussé Mitorage. Il a sifflé, il accorde donc un coup franc. Coup franc qui va être tiré par Mitorage qui lui aussi effectue ses débuts en équipe de France. Oh là là, vous avez vu cette tête de Schlizio. Terrible. Herbey récupère cette balle. Dinalo. Souski. À nouveau, Oschlitzou. Dinalo, belle balle de Dinalo en direction de Guy. Mais Koska sort magnifiquement. L'arbitre ici accorde un coup franc qui va être tiré par Kowalski. Vous avez vu, il y a une charge un peu violente de Guy. La balle est à Angjok qui cherche son ailier gauche, Gadora. Gadora poursuivi par Djorkaeff. Coup franc estime l'arbitre pour charge de Djorkaeff. À nouveau Angjok sur son aile gauche. Il cherche Lubanski mais Bosquier dégage devant Lubanski. Ça, Bosquier ne fait absolument pas de fioritures. C'est un garçon extrêmement solide ce Bosquier.
qui joue, comme vous le savez, à Saint-Etienne. Il a 25 ans, il mesure 1m78 pour 75 kg. Ça, vraiment, c'est du solide et du très solide. Touche par Lubanski. Suski en direction de Kowalski. Mais magnifique interception de Baeza. Baeza qui effectue aussi ses débuts internationaux. Baeza à Dinalo, mais sa passe était beaucoup trop longue et récupérée par un arrière polonais qui relance immédiatement. Là ici, Mitorage, belle intervention de Mitorage. Mais la balle sort en touche. Touche à l'avantage de la Pologne. Suski. Rochlissio. Rochlissio qui cherchait Suski, mais une tête de Herbe Dinalo. Dinalo qui cherche son compère, Guy le trouve. Magnifique une de Herbe, arrive à point nommé, se présente seul et marque le premier but français. Oh, vous avez vu cette combinaison magnifique de l'équipe de France. Nous sommes exactement à la 13e minute de jeu. Vous avez vu, c'est une magnifique entre Dinalo et Guy, deux joueurs de l'Olympique Lyonnais qui se sont repassés la balle. Dinalo a lancé magnifiquement en direction de Herbin, et Herbin, qui porte le numéro 8, qui sait s'intégrer à l'attaque, vient d'ouvrir le score. Le public ici siffle ce but. En réalité, il ne siffle pas l'action française. Ici, je crois, le comportement de sa défense qui s'est laissé surprendre, mais ça, c'est ça le sport après tout. Et vous savez que c'est 75 000 spectateurs qui sont ici, tous les dirigeants de l'équipe de France, tous les joueurs de l'équipe de France. Magnifique contre-attaque ici. Lubanski qui se présentait tout seul devant Marcel Aubourg après une hésitation de la défense française. Lubanski a tiré cette balle de la tête, on ne sait pas comment, quand on se trouve à 2 mètres devant la cage d'un gardien de but, on ne voit pas comment ce ballon ne veut pas rentrer. Eh bien, ce ballon n'est pas rentré. C'est un corner pour la Pologne, qui est d'ailleurs fort bien tiré. Aubourg, sortie un peu hasardeuse de Marcel Aubourg, qui a dégagé au point en direction de Louvet. Louvet qui est bousculé là-bas. Je pense que l'arbitre va accorder un coup franc. Il a sifflé, oui, coup franc en faveur de Louvet. Il y a maintenant un quart d'heure de jeu, comme je vous le disais tout à l'heure. Robert Vann est à côté de moi. Robert Vann, journaliste de l'équipe, un habitué du football. Il connaît fort bien son sujet. Alors Robert, 15 minutes de jeu, 1-0 pour la France. Que faut-il en déduire ? Eh bien, pour une fois, l'équipe de France a beaucoup de chance. C'est bien son tour, parce que ça fait pas mal d'années qu'elle a de la malchance. La première et la seule action constructive des Français, c'est soldée par un but. Et la minute suivante, comme vous l'avez vu, les Polonais ont manqué un but immanquable, comme l'on dit. Il y avait un effet tiré. Regardez Herbe ici. Et vraiment, je crois que la seule conclusion à tirer pour le moment, c'est qu'on a énormément de chance, et pourvu que ça dure, parce que, je vous le répète, c'est bien notre tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je trouve que dans l'équipe française, un Bosquet a fort bien démarré, de même que Baeza, qui semblait un peu timide. Ah, absolument, absolument. Bosquet est fait pour ce travail, de déblayage, et il l'accomplit magnifiquement. Ici Herbe qui tire le coup franc, mais Koska capte la balle. Ce qu'on pourrait dire aussi dans la ligne d'attaque, est-ce que vous croyez que ça tourne rond pour le moment, à votre avis? Ça peut paraître paradoxal, mais non, ça n'a pas tourné rond jusqu'à maintenant, puisque en fait, je vous le répète, vous l'avez vu vous-même, l'unique action constructive, valable, c'est soldée par un but. Avouez que 100% de réussite, c'est assez rare. C'est magnifique. Mais encore une fois, ça fait partie du sport et nous aurions tort de nous plaindre, à la fois de par les circonstances du match et surtout parce que ça fait des années, on peut dire, des années que l'équipe de France a de la malchance. Eh oui, mais écoutez, je crois, Robert, tant mieux si le vent tourne. Vous êtes d'accord avec moi, cette équipe de France, il faut absolument la soutenir. J'ai l'impression qu'il y a un vent nouveau qui siffle sur le football français. Espérons-le. Mais il ne faut quand même pas s'énerver. Non, il reste pas s'énerver. 72 minutes. Mais à je jouer. Crois qu'il vaut mieux mener par 1-0 que d'être mené. Et c'est certain. Nous sommes bien d'accord. Merci, Robert. Il y a un petit incident assez comique sur le terrain. Enfin, dans les tribunes au ras du terrain. C'est un spectateur qui allumait un feu de Bengale qui est rosé, voyez-vous. Et à ma gauche, c'est-à-dire sur la gauche du terrain, actuellement, les joueurs sont dissimulés.
par un épais nuage de fumée rose. C'est assez joli, c'est dommage que la télévision ne soit pas en couleur. Je vous le rappelle pour ceux qui viennent de prendre le match en marche. Nous en sommes actuellement à la 18e minute de jeu et l'équipe de France mène par 1-0, un but marqué par Robert Herbin à la 13e minute de jeu à la suite d'un 1-2 absolument sensationnel entre Fleury Dinalo et André Guy. Lequel Dinalo a passé la balle à Robert Herbin qui a évité son défenseur et a marqué le but français. Ici Souski. Souski loin en avant en direction de Gadora. Mais c'est Bosquet une fois de plus qui dégage. Il dégage très loin en avant. J'ai l'impression que la balle ici a dû sortir en touche. Touche à l'avantage de la Pologne. Touche qui va être effectuée par Angiok. Angiok en direction de son ailé gauche Gadora. Il y a eu un pied un peu haut de M. Gadora. Ah non, c'est le contraire. Non, l'arbitre a sanctionné l'équipe de France. Là, moi, je comprends pas très très bien. Souski, qui va trouver peut-être la tête de Herbin. Magnifique tête de Scholtysik, bien captée par Marcel Aubourg. Guy l'a dominé sur cette balle de la tête. Baeza, mais qui trouve le numéro 8 polonais, c'est-à-dire Brigzi, que l'on surnomme ici le copa polonais, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a une très grande valeur, puisque notre joueur national avait une valeur extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a une excellente technique, qui voit clair, qui sait relancer le jeu, qui occupe un poste absolument capital au centre du terrain. Ici, une tête de Angiok, Gadora. Gadora cafouille cette balle, la met en touche. Djorkaeff maintenant pour la France. Cherche la tête de Dinalo, mais il est petit Dinalo. Il mesure qu'un mètre 67 pour 65 kilos d'ailleurs. Bon, allez, relancé en avant, Ojlidzo, mais bien dégagé par Michel. Longue balle en avant pour Gadora. Gadora qui recentre. Marcel Aubourg capte très très bien cette balle avec beaucoup d'autorité. Robert Herbin, Herbet. Herbet, comme je vous le disais tout à l'heure, joue le piston, joue en faux ailier. Vous voyez, il vient chercher les balles très très loin. Herbet qui sait se battre. Ici, un joueur reste sur le terrain, c'est le numéro 4 polonais, c'est-à-dire Angiok. Attaque polonaise par Souski. Longue balle en avant, magnifique tir de Souski. Mais Aubourg dégage la main, il sort et il s'en tire. Cette sortie a été très audacieuse. Dégagement de l'équipe de France. Ici par Michel qui dégage loin en avant. Touche faite par la Pologne. Brigzi. Nouvelle touche cette fois par Kowalski. Kowalski, Souski. Souski, alors que le numéro 10 Scholtysik est attaqué d'une manière peu orthodoxe par Baeza. Les Polonais contrôlent beaucoup plus souvent la balle, ils font preuve de beaucoup plus d'engagement physique. Les Français essayent de calmer le jeu pour faire face à ces assauts polonais. Longue balle en direction de Djorkaeff, Djorkaeff d'Olympique de Marseille, qui sait monter à l'attaque, c'est notre arrière-droit. Il trouve Herbin, Herbet Dinalo, Dinalo, magnifique passe, Guy se présente seul. Et Koska réussit à dégager en direction de Gadora. Deuxième attaque française intéressante. Dinalo Guy, voyez-vous, se trouve très bien, ce sont deux joueurs complémentaires. Dinalo est un joueur petit de taille, mais c'est un très grand footballeur. Souski. Souski, oh très 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 mauvaise passe. Mitorage ici qui va effectuer la touche pour l'équipe de France. Il passe directement son ballon d'ailleurs à Marcel Aubourg. Marcel Aubourg qui dégage très bien dans la main. Il cherche à la tête de Dinalo, mais Dinalo est petit, ça lui est passé au-dessus. Nouvelle attaque polonaise, Bosquet tranquillement en direction de Dinalo, mais interception de Gmok. Gmok qui relance en direction de son aile droite et il trouve en effet Faber. Faber qui sort pas vers le centre. Faber. Faber tout seul, bien attaqué ici par Herbet. Gadora. Gadora bien contenu par Djorkaeff, balle contrée par Djorkaeff et c'est un corner. Territorialement, les Polonais dominent. Gadora tire ce corner. Ici, c'est Angiok qui est monté.
diagonale, on cherche une tête polonaise, mais la balle sort pour la France. La France va pouvoir se dégager ici par Marcel Aubourg. Alors que le jeu se calme, je me dois de remercier nos amis de la télévision polonaise, des gens fort sympathiques qui connaissent très bien leur métier et avec qui il est très agréable de travailler. Ici, Gadora qui sent très bien. Herbin dégage, poursuivi par Scholtysik. Gadora récupère la balle, centre sur une tête française, heureusement. Reprise de volée magnifique de Souski. Ça, il faut le reconnaître, ce tir absolument percutant de Souski. Vous avez vu que Aubourg s'est détendu tout aussi magnifiquement. Et il a dû toucher la balle du bout des doigts. C'est un corner pour la Pologne. Faber. Là, la France est en train de souffrir. Retournée de Souski. Balle dégagée maintenant par Mitoraj. Oh là là, Mitoraj qui hésite. Il dégage quand même. Alors qu'ici, Herbe est quand même bousculé d'une manière peu orthodoxe par M. Angjok. Herbin, longue balle en avant. Il le cherche Loubet, mais n'oublions pas qu'il y a du vent sur le terrain. La balle est complètement déviée. Ici, le numéro 5, Mok. Mok en direction d'Angjok. Angjok en position d'ailier gauche. Angjok, longue balle en avant, mais beaucoup trop lointaine. Ici, le public polonais du stade du 10e anniversaire siffle, mais j'ai l'impression que M. Angjok porte la responsabilité de ses sifflets. Car ça tourne pas très très bien dans l'équipe polonaise actuellement. Elle domine territorialement, elle contrôle le ballon très souvent, comme ici par exemple par M. Oślidzio, qui a lancé en direction de son ailier droit Faber, mais c'est notre ailier gauche à nous, c'est-à-dire c'est Loubet bousculé par Kowalski. C'est un coup franc. Mais là vraiment. Alors, M. Loubet et M. Kowalski, ne vous énervez pas. Même si la décision de l'arbitre est contestable, M. Loubet, ne vous énervez pas. Alors, restons calmes. Après tout, le football, c'est un sport. C'est un sport qui est trop beau pour le gâcher par des excès de colère. Surtout que l'arbitre donne raison à Loubet. Il lui donne raison pour l'action de jeu, mais il lui donne tort pour son irritation. Il lui donne un avertissement. Il lui donne quand même un avertissement, comme dit actuellement Robert Vergne. Balle beaucoup trop haute qui va être dégagée maintenant par Oślidzio. Et les Polonais repartent. Ils repartent à l'attaque par Scholtysik. Ici, la balle récupérée maintenant pour la France par Mitoraj. Mauvaise passe de Mitoraj récupérée par Scholtysik. Scholtysik en direction de Faber. Faber qui essaye de repiquer au centre, poursuivi par Baeza. Scholtysik qui tente sa chance de très loin. Dégagement des Français par Baeza. Tête de Kowalski. Faber à nouveau en direction de Brugisi. Oh, magnifique tir! Magnifique tir! Magnifique tir! De Brugisi, le copain polonais. De Brugisi qui égalise à la 26e minute. Là, ici, sur cette action, les Français n'ont pas marqué d'assez près. Et incontestablement, la défense française porte une grosse responsabilité sur cette égalisation. Il faut savoir reconnaître les choses d'une manière sportive. C'est Brugisi qui, donc, vous le voyez actuellement sur votre écran, vient égaliser pour la Pologne à la 26e minute de jeu. 25e minute de jeu, pardon, vous le voyez actuellement sur cet écran. Donc, 25e minute de jeu, Pologne-France, 1-1, le match est relancé, c'est tant mieux pour tout le monde. Inutile de vous dire que les Polonais, Scholtysik ici, va trouver Baeza, qui a donné la balle à Marcel Aubourg. Inutile de vous dire que, ici, dans les tribunes, Kowalski, dans les tribunes, c'est du délire. Kowalski, Scholtysik, Lubanski, Brugisi,
Frigely en direction, attention, attention au bourg, attention au bourg, et au bourg est battu à nouveau. Oh, c'est terrible, il est battu par Souski. C'est terrible pour l'équipe de France qui vient coup sur coup d'encaisser un deuxième but. Mais le but est refusé. Le but est refusé, en effet. Le juge de touche autrichien avait levé son drapeau et a trouvé que Souski était hors-jeu. Ça, moi, je ne veux pas me prononcer, mais c'était très difficile à voir, Robert. Moi, je ne vois pas comment il peut être hors-jeu. Il est parti derrière. Je ne vois absolument pas pourquoi il était hors-jeu. Maintenant, ça fait partie, je crois, de cette chance qui habite les Français actuellement. Parce que vous avez pu le voir, un à un, c'est encore pas cher. Oui, oui. Et tant mieux, c'est parce que ce deuxième but encaissé consécutivement, ces deux buts encaissés consécutivement, auraient certainement une incidence très pernicieuse sur le moral des joueurs, sur le psychique des joueurs. Eh bien, espérons qu'ils vont quand même pouvoir continuer à tenir le coup, mais ce sera quand même très dur. Merci Robert. Ce qu'il y a de très important, c'est que nous sommes actuellement à la 26e minute de jeu. Le but de Souski a été refusé par l'arbitre. On ne sait pas trop pourquoi. Il faut être honnête en football. Il faut reconnaître que ce but, à notre avis, à nous, n'était absolument pas hors jeu. D'ailleurs, je vous l'ai décrit tout normalement, car Souski, à notre avis, et Robert Vergne vient de le confirmer, ce but n'était absolument pas hors jeu. Ça fait partie, comme il l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Robert Vergne, de la chance de l'équipe de France. Elle s'en tire très bien. Nous sommes actuellement donc à égalité. Un but partout. Mais les Polonais, portés par leur public, repartent de plus belle. La défense française ici par Bosquet intervient. Bosquet qui monte à l'attaque en position d'ailier gauche. Bosquet, Loubet. Loubet attaqué par Gmoc. Il passe, bousculé par Gmoc, il est passé. Mais balle trop entrée. Très mauvaise balle de Loubet et la défense polonaise dégage. Faber. Brigy qui lance tout en avant, mais beaucoup trop loin en avant. Là, monsieur Brigy, vous avez manqué de précision. C'est Bosquet qui a dégagé. Baeza. Baeza qui cherche Loubet. Il a trouvé Loubet. Loubet a trouvé Dinalo. Dinalo cherchait Guida, mais il n'a pas trouvé. Loubet à nouveau. Loubet poursuivi. Qui est poursuivi par Brigy. Et la balle, une touche polonaise. Les Polonais repartent. Attention à la tête de Herbin. Herbin Dinalo. La balle est accrochée par Souski qui relance immédiatement. Longue balle en avant en direction de Lubanski qui n'a pu contrôler cette balle. Mitorage Herbin qui a marqué le but français. Herbin Guy. Herbin à nouveau. Herbin, excellent technicien qui conserve le ballon. Dinalo Herbe. Herbe qui se fait subtiliser cette balle par Angiok qui relance en direction de Souski. Souski Lubanski. Lubanski à côté de Scholtysik. S'infile dans la défense française. Lubanski est crocheté par Mitorage. C'est un coup franc indiscutable. Lubanski crocheté par Mitorage. Coup franc pour la Pologne. Angiok à. Langjok numéro 4 qui vient de tirer, mais au-dessus. Tout ça est extrêmement dangereux. Il faut reconnaître que là, nous passons de très très mauvais moments. Là, la France a un cap difficile à franchir. Espérons qu'elle va le surmonter. Trentième minute de jeu, toujours un but partout. Herbe, Dinalo, Guy. Guy en direction de Djorkaeff, monté à l'attaque. Bravo Djorkaeff, poursuivi par Angiok et Gmoc. Il se libère très bien. Bravo Djorkaeff, très bien joué. Mais il se fait subtiliser quand même le ballon par Gmoc. Et l'arbitre a trouvé que. Vraiment là, monsieur Gmoc serrait de très près de Djorkaeff et accorde un coup franc. Les décisions de monsieur Marshall sont souvent assez contestables. Enfin, Herbe pour la France, cherche la tête de Herbin. Hors-jeu des attaquants français qui va permettre à la défense polonaise de se
dégagé. Gmock, longue balle en avant, tête de mitorage, Herbin. Herbin, Dinalo. Oh non, Dinalo, c'est mal joué tout ça. Dinalo se trouvait en présence de deux défenseurs polonais, c'est-à-dire Gmock et Oschlidzo. Il était là tout seul, au lieu d'attendre qu'un partenaire se démarque, il a lancé cette balle n'importe comment, c'est vraiment très dommage, il aurait aimé essayer de se calmer un petit peu et de rechercher la précision des passes que de jouer n'importe comment. Dinalo à nouveau, espérons qu'il va se racheter. Dinalo qui a bien passé sa balle à Guy, mais Guy se l'a fait subtiliser par les Polonais. Suski, transversal, Baeza a repris. Michel avec Scholtysik. C'est Scholtysik qui a la balle. Faber, Scholtysik. Scholtysik de Brugge. Brugge Suski. Scholtysik encore qui va tirer. Il a tiré un magnifique tir encore de Scholtysik qui est un homme redoutable. Vous avez vu qu'il a un tir du gauche absolument sensationnel qui est passé encore celui-là très très peu au-dessus de la cage gardée par Marcel Aubourg. Seigneur, qu'est-ce que nous ressentons comme, qu'est-ce que nous avons comme frisson dans le dos aujourd'hui. C'est formidable. Ah Dinalo, vous êtes bien trop petit mon ami. Suski Lubanski, sur une dehors Suski Lubanski, renvoyé par la défense française ici, Michel Guy Herbin Michel, bravo, Loubet Michel qui lance Loubet sur son aile gauche, Loubet poursuivi par Kowalski, mais la balle est beaucoup trop longue, monsieur Loubet, il se fait une passe à lui-même, vous avez vu que la balle va beaucoup, beaucoup trop loin, ce qui va permettre à Kostka de dégager son camp. Herbin, Guy Dinalo. Dinalo qui talonne magnifiquement. Oh, l'occasion de but. Oui, une magnifique occasion de but. Oh, c'est encore magnifique du tandem lyonnais. Guy et Dinalo. Et c'est Loubet qui a récupéré la balle et a marqué dans les buts vides. Nous sommes actuellement à la 34e minute de jeu. Et la France vient de reprendre l'avantage par un but de Loubet. Magnifique action encore amenée par Dinalo et Guy, c'est à remarquer. Les deux buts français ont été amenés par des 1-2. Vous avez vu cette talonnade tout à l'heure, Robert, entre Dinalo et Guy, c'était vraiment du très beau football. Là, Dinalo a fait tout à fait remarquable. Oui, il s'est racheté parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas très très bien tout à l'heure. Donc la France mène actuellement par 2-1. Ici, la température, on est à remarquer, l'ambiance dans le stade a baissé de quelques tons. C'est à remarquer lorsque l'équipe de France a marqué son premier but tout à l'heure. Eh bien, mon Dieu, on entendait voler des mouches ici, dans le stade. Lorsque la Pologne a égalisé, ben mon Dieu, on ne s'entendait plus parler, c'est bien simple. Et la France qui reprend l'avantage, on n'entend plus rien, tout est calme, tout est tranquille. Enfin, la France mène par 2-1, c'est très bien. Les Polonais repartent. Ce qui est très bien, c'est pour le football, parce que vous avez vu, l'équipe de France prend l'avantage, la Pologne égalise, l'équipe de France reprend l'avantage, c'est ça le point important. Il faut, en football, il faut voir des buts, les spectateurs repartiront très contents s'ils ont vu des buts, bien sûr, mais s'ils ont vu de belles actions et de beaux buts, ça il faut le dire aussi. Le football, je crois, se nourrit de toutes ces choses-là. Lubanski qui a essayé de récupérer la balle, ça, Herbin passe la balle en direction de Bosquet au bourg. On pouvait très bien aller dans l'autre sens. Au bord dégagé. La défense polonaise de la tête prend nettement l'avantage sur les attaquants français. C'est à remarquer aussi. Cette défense polonaise est vraiment très athlétique. Gmock Lubanski. Magnifique tête de Lubanski. Djorkaeff. Oh là là, c'est dangereux tout ça. Mitorage au bourg. Ça, il ne faudrait pas trop que cette défense française s'amuse à jouer avec le feu comme sur cette action. Ça, de la tête, seul, je crois, Robert Herbin peut rivaliser avec les attaquants ou les défenseurs polonais. Robert Herbin a une tête magnifique, en fait, tête magnifique au sens technique du terme. C'est un garçon, d'ailleurs, ça n'enlève rien. Hein. C'est un beau rouquin. On l'appelle Robbie, ça je le dis pour les dames.
Robert Arbin a 28 ans, 1m74, 67 kilos. C'est sa 21e sélection en équipe de France. C'est aussi le capitaine de cette équipe de France. Alors, qui est-ce qui va faire la touche? C'est Kowalski. Kowalski en direction de Mock. Mock, Faber. Faber à la balle. Attention, il va centrer. Il est face Baeza. Il le centre. Dégagement de Bosquet une fois de plus. C'est reparti pour la Pologne. Attention, ça peut être dangereux. Heureusement qu'il n'y a personne. Enfin, quand je dis heureusement, c'est pour l'équipe de France. Il n'y avait personne en position d'ailier gauche. Là, c'est Dinalo qui a la balle. Dinalo qui tripote très très bien cette balle d'ailleurs. Les deux joueurs réclament. C'est-à-dire, allez, mais doucement, monsieur Schlizzo. Schlizzo qui arrache cette balle des mains de Dinalo. On a quand même 10 secondes. Relance par Lubanski. Lubanski, mais Herbin prend la balle et tranquillement la passer à Michel. Guy, loin en avant en direction de Loubet. Loubet en direction de Dinalo, mais il n'a pas trouvé à trouver un défenseur. Polonais. Au passage, une petite main française qui permet à Kowalski de passer la balle à Angzok. Angzok. Vous avez vu, le jeu s'est un petit peu calmé. Angzok qui est face à Herbin, tranquillement. La balle est sortie, monsieur Angzok. Touche avantage de la France. Herbin, tête de Herbin, bien sûr. Dinalo qui se fait subtiliser la balle par Scholtysik. Scholtysik, Rochlitzo. Longue diagonale, tête de Michel qui cherche Loubet. Il n'a pas trouvé Loubet, il a trouvé Kowalski. Kowalski qui relance en direction de Faber. Mais la balle est en touche. Dévié qu'elle a été au passage par Michel. Touche qui va être faite par Kowalski. Kowalski, Scholtysik, vous voyez. Scholtysik qui porte le numéro 10, mais qui joue très très en retrait. Scholtysik, dégagement par Djorkaeff qui récupère la balle pour la France. Herbin maintenant. Herbin qui fait beaucoup de terrain, c'est ce qu'on attendait, qui couvre beaucoup de terrain, c'est ce qu'on attendait de lui. Maintenant, regardez, il était à droite, maintenant il est à gauche, il cherche Loubet. Loubet poursuivi par son garde du corps, Kowalski. Kowalski qui a récupéré la balle, oui, Kowalski, et qui s'est fait une passe gentille toute seule, et puis cette balle est allée en corner. Corner à l'avantage de la France, tiré par Loubet. Loubet cherche une tête, celle de Herbin, mais dégagée par la défense polonaise, par Franck Jok Lubanski en arrière, récupéré par Herbin, c'est mal joué pour la Pologne. Cherchez Guy, relance pour Michel, Michel Herbin, bien joué, tout ça. Herbin qui conserve le ballon, qui le donne, attention, il est hors jeu là, Michel est hors jeu incontestablement. Le juge de touche autrichien a levé le ballon. Mais l'action était très belle. J'entends Robert Verne à côté de moi qui dit tout ça, c'est très bien joué. Ce 1-2 entre Michel et Herbin m'a produit le meilleur effet. Je vois Robert que pour vous aussi, il a produit le meilleur effet. C'était c'était très bien joué. Comment ça s'est contracté, c'est sûr. Exactement. Ça jouait, c'est bien au football. Ouais, il commence à y croire. Et il faut y croire en football. Nouvelle attaque polonaise. Souski, vous voyez que les Polonais passent très très mal la balle. Ils font actuellement de mauvaises passes. La France en profite, c'est normal. Djorkaeff sur la tête de Dinalo. Guy, Djorkaeff. Djorkaeff longue balle en avant, mais beaucoup trop longue. Voyez-vous, c'est sur ces actions-là que moi je ne suis pas tout à fait d'accord. À partir du moment où l'équipe de France mène par 2-1, elle devrait quand même essayer de tempérer le jeu. Mais il n'y a pas un joueur dans cette équipe de France qui est capable, Robert, qu'en pensez-vous, de lui donner cette tranquillité? Bon, il faudrait que cette équipe de France se tranquillise maintenant. Oui, mais vous savez, il ne faut pas trop en demander. C'est déjà assez inespéré ce score, et c'est peut-être grâce à ce score favorable que précisément les garçons vont se décontracter et commencer à calmer le jeu, comme l'on dit. Mais c'est vrai que techniquement, il n'y a pas actuellement de joueurs en France, à part peut-être Herbin ou Simon, quand il est... Oui. Qui les valident et qui sont capables d'imposer cette espèce de rythme, de faux rythme qui est nécessaire dans un match de football, parce que c'est un peu comparable à l'athlétisme, on ne veut pas courir toujours à un train d'enfer, et bien on ne peut pas mener un match de 90 minutes, un match international et qui plus est de coupe, de compétition, à un train d'enfer de sprinter, parce que c'est très long, une heure et demie. Oui. Et en plus, il y a quand même les coups, les chocs que l'on reçoit, c'est pourquoi le football est si difficile. Alors, vous voyez, je crois que pour se résumer sur ce point que vous venez de soulever, il ne faut quand même pas trop en demander. Non, pour le moment, ça va très bien. Et comme dit la chanson, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure.
C'est Robert Herbin qui fait cette touche en direction de Bosquier, tous les deux de Saint-Étienne d'ailleurs. Bosquier, longue balle en avant, à direction de Loubet, poursuivi par Kowalski. Mais là, c'est Loubet qui a poussé dans le dos. Ça, c'est incontestable. Loubet qui a poussé dans le dos. Il n'a pas fait exprès, là, voyez-vous. Il était déséquilibré. Il a buté Kowalski. C'est un coup franc qui est normal. Mais en fait, tout ça, c'est pas très grave. Mok Hangzok. Hangzok. Hangzok qui monte sur l'aile gauche. Hangzok qui va trouver ici Lubanski. Mais Lubanski n'a pas pu assurer son tir. Dégagement au bourg. Herbin. Herbin qui contrôle magnifiquement ses balles, qui évite les chocs, les attaques. Regardez Robert Herbin actuellement dans ses yeux. Il fournit aujourd'hui, en fait dans cette première mi-temps, dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, Robert Herbin fournit un match de première grandeur. Ici c'est André Guy en déséquilibre, mais enfin qui a conservé le ballon. André Guy, longue balle en avant, direction balle heureuse d'ailleurs, qui était déviée par un défenseur polonais. Balle en arrière, mitorage de la tête. Herbin qui va trouver un polonais ici. Oh là, il y a une petite bousculade. Oui, André Guy qui était lancé, un peu bousculé, Brugzi, mais enfin, tout ça, c'est pas très très grave. Coup franc pour la Pologne. Par Mok. Kowalski cherche la tête de Lubanski, la trouve au bourg. Qui dégage en direction de Loubet, il trouve Kowalski. Là, j'ai un Kowalski qui prend souvent l'ascendant sur Loubet. Michel, Dinalo très replié, qui lance loin en avant en direction de Djorkaeff qui l'a vu monter, mais là, une tête de Gmok. Gadocha en retrait pour Souski. Souski, Lubanski. Lubanski, Brugzi, attention à Brugzi qui est très dangereux. C'est Guy qui a récupéré la balle, Faber maintenant. Faber qui déborde, qui recentre magnifiquement. Attention à la tête. Oh là 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 là, cette tête de Scholtysik extraordinaire qui a bien failli surprendre au bourg. On s'amuse autour de moi, oui, c'est très bien joué pour la Pologne. Les spectateurs qui sont autour de moi sont en train de lever le pouce, mais il faut reconnaître d'ailleurs, quand les Polonais jouent bien, il faut le dire, et quand les Français jouent bien, il faut le dire également. Herbin. Herbin qui en a... Oui, il en a un peu ajouté. Vous savez, il se prend pour un Sud-Américain en ce moment, Herbin. Herbin. Oh là là. Là, j'ai l'impression que ça a quand même été... Oui. Là, c'est quand même un petit peu sévère. Le défenseur polonais était un petit peu sévère pour M. Loubet. C'est un coup franc pour la France. Alors qu'à mon chronomètre, je crois qu'il doit rester, et celui de l'arbitre d'ailleurs, je crois, une minute de jeu. Attention à Bosquier. Oui, attention, vous savez que Bosquier est le spécialiste. Ah mais ça c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. L'arbitre Monsieur Marshall venait d'accorder un coup franc à la France. Le temps réglementaire était écoulé. Tout au moins chronomètre de Monsieur Marshall. Nous attendions à ce que Bosquier tire ce coup franc. Mais l'arbitre a sifflé un deuxième coup de sifflet de l'arbitre. Puis il a dit, ben messieurs, c'est fini. Il a demandé aux joueurs polonais et aux joueurs français de bien vouloir regagner les vestiaires. Et actuellement, comme le montre notre réalisateur polonais, c'est l'équipe de France qui mène devant la Pologne par 2-1. Premier but français a été marqué à la 13e minute de jeu par Robert Herbin, le capitaine de l'équipe de France. La Pologne a égalisé à la 26e minute de jeu par Brugzi. Les Polonais se sont vus refuser à la 28e minute de jeu un but marqué par Souski. Vous remarquez que c'est les hommes du milieu du terrain qui marquaient pour la Pologne. Tout au moins, Brugzi lui a réussi, mais Souski a échoué. Et la France a repris l'avantage à la 33e minute par Loubet. Nous n'avons pas à nous plaindre, bien entendu. C'est l'équipe de France qui mène à la marque par 2-1. Maintenant, nous allons vous trouver, alors que les joueurs ici, vous voyez que les joueurs rentrent au vestiaire, ils vont prendre un repos bien mérité. Et nous allons en profiter maintenant avec notre ami Robert Verne de l'équipe pour faire une analyse de ce match. Mais j'ai l'impression que, Robert, je vais vous demander de monter sur cette chaise. Voilà, comme ça c'est très bien. En condition physique. Là, nous sommes en grande condition physique, Robert. Alors, ce que nous allons faire, nous allons procéder à une analyse du jeu. Analyse tout d'abord au point de vue technique. Est-ce que... Tout d'abord, la tactique
que Dugo Gaez, l'entraîneur de l'équipe de France et directeur de l'équipe de France, avait demandé à ses joueurs d'appliquer, selon vous, l'a été dans les faits? Je crois que la meilleure réponse, c'est le tableau d'affichage. Et du moment que les Français mènent, c'est que la technique est bonne, c'est bien connu. Oui, mais c'est pas ce que je vais vous faire dire, Robert. Et ça, je voudrais vous le faire dire absolument. C'est-à-dire que Dugo Gaez a demandé à Herbey, ça vous savez, il y a des spectateurs qui ne connaissent pas bien le football, c'est pour ça qu'il faudrait leur expliquer, a demandé à Herbey de jouer d'une manière particulière. Oui. Il lui a demandé de jouer en troisième homme de milieu de terrain, c'est-à-dire que pour les téléspectateurs qui les connaissent, pour les profanes, ça peut arriver. Actuellement, dans le monde, on préconise une défense à quatre arrières. Et généralement, il y a deux hommes qui s'occupent du milieu du terrain et quatre attaquants. Mais comme il y a de plus en plus de difficultés pour les attaquants à franchir le réseau défensif adverse, alors beaucoup d'entraîneurs ont décidé de renforcer ce centre du terrain, parce qu'après tout, c'est là où se passent, où s'élaborent presque toutes les combinaisons dans une équipe de football. Évidemment, comme de toute façon il ne reste que 11 joueurs, ce que l'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre. Autrement dit, on arrive à un certain isolement des attaquants. Mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Et il y a deux écoles d'ailleurs dans ce domaine. Il y a ceux qui veulent attaquer à outrance, il y a ceux qui veulent défendre à outrance. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en l'occurrence, l'équipe de France a réalisé, selon moi, une assez bonne synthèse de ces deux tendances, défensive et offensive. Et bien qu'Herbey ait confirmé son manque de forme actuelle, il a été effacé. Mais sans doute que grâce au rayonnement d'Herbin, ça a été largement compensé. Et il y a encore une chose que je voudrais dire. Vous avez été dur, mon cher Pierre, pour Dinalo. Dinalo a manqué tous ses tirs. Il manque depuis Odense. Oui, Il en est au moins à son dixième. Oui. Mais en revanche, la mobilité de Dinalo et de Guy a complètement démantelé la lourde défense polonaise. Oui, là je suis d'accord. Je reconnais avoir été dur, entendons-nous bien. J'ai été dur, c'est que je suis d'origine lyonnaise, Dinalo est lyonnais. Je ne veux pas qu'on me taxe de chauvinisme. Ce qui est certain, c'est que j'ai reproché à Dinalo de ne pas assez se calmer, se tempérer. Il a le temps, en certains moments, on le voit tout seul. Et il n'est pas poursuivi par aucun défenseur. Il est là, il aurait le temps d'adresser une passe précise et il ne l'a pas fait. Mais en compensation, je suis d'accord avec vous. Dinalo est à l'origine des deux buts français, d'ailleurs, c'est très simple. Absolument. Le tandem, d'ailleurs, Dinalo-Guy. Il a été le pivot des deux actions, et même d'une troisième sur laquelle Guy aurait pu marquer. Oui. Enfin, ça fait partie du jeu de ne pas marquer, de manquer un but facile. Souvenez-vous, celui des Polonais, oui, bien sûr. À un mètre, ça, ils ne l'ont pas marqué. Ça a été vraiment extraordinaire. Cette tête, écoutez, à 1m50, quand un joueur est à 1m50 du gardien de but, il est là, il voit ce but largement ouvert, et il la manque, ça doit être extraordinaire pour un joueur. Oui, c'est extraordinaire, mais je crois que, en fonction de la qualité de ses joueurs, l'explication qu'on peut éventuellement trouver, c'est que la balle devait avoir un effet énorme. Oui, c'est ça. C'est oui. Un peu comme au billard ou au basket, vous savez, quand la balle tourne autour du rond, eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets. Eh bien, en football, c'est pareil, la balle est ronde également. Bien, vous m'avez parlé de la tactique de l'équipe de France. Je crois qu'on peut dire que la tactique de l'équipe polonaise est à peu près la même, parce que l'entraîneur Mathias a demandé à Choltizik de décrocher, comme Dugo Gaez l'a demandé à Herbey. Absolument, mais je crois que là, il y a un avantage chez les Français que j'appellerais physiologique. Les Français sont plus vifs et plus vite. Et ce travail, en somme... Regardez un peu la caméra, Robert. Ce travail qui consiste à se replier constamment, c'est un peu le principe de l'accordéon, si vous voulez, est fait plus rapidement, est exécuté plus rapidement par les Français, parce que c'est leur nature d'être plus rapide, d'être plus latin que les Polonais, qui sont slaves. Et là, je crois qu'à tactique égale, celui qui a le plus d'atouts, en l'occurrence l'équipe de France, doit pouvoir s'en sortir mieux. Maintenant, il y a un troisième point, c'est le côté physique. Il est certain, il est probable, et même certain que l'équipe de France, qui a quelque chose à défendre maintenant, ça lui arrive pas si souvent, elle va donc le défendre. Ça va se traduire par un renforcement du réseau défensif. Autrement dit, on va être dominé très certainement en seconde mi-temps. Est-ce que ces garçons, qui vont être très sollicités, les garçons, les défenseurs, est-ce qu'ils vont tenir? Ça, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre maintenant. Non, il faut trois quarts d'heure encore. Vous allez voir, dans trois quarts d'heure, j'ai l'impression qu'on va obtenir une réponse très intéressante. Il est impatient, Robert Venn, c'est terrible. Dites-moi, Robert, on nous a parlé de technique, de tactique, des deux équipes en présence. Il est important aussi de parler des joueurs individuellement. Je vous donne mon sentiment. Vous me direz oui, vous me direz non. Équipe de France, tout d'abord. Bosquier,
dans la ligne de défense. Bosquet, incontestablement, un joueur très sûr, très athlétique. Baeza, de bons débuts. D'ailleurs, les tout nouveaux, là, je trouve, ont fait des débuts intéressants, c'est-à-dire Mitorage, Baeza et Michel. Mais enfin, pour moi, les hommes qui dominent le match actuellement sont Bernard Bosquet en défense, Robert Herbin, qui est rayonnant, ça, il faut le reconnaître, au milieu du terrain. Il lutte sur toutes les balles, il se les fait rarement subtiliser, il adresse de bonnes passes, il est en avant, il est en arrière, il est partout. Et dans la ligne d'attaque, le tandem Guy et Dinalo. Je suis d'accord avec vous, mais je vois que vous oubliez encore un ancien Lyonnais, c'est Djorkaeff, qui a apporté énormément de sang-froid. C'est avec Herbin le garçon qui a le plus de sang-froid sur ce terrain. Oui. Et ça, c'est très important dans un match de cette envergure. Et notez qu'il a participé au premier ou au deuxième but, je ne me souviens plus exactement, ce qui prouve que vraiment tous les aspects de son rôle, il les a parfaitement remplis. Et il m'a même surpris parce que je ne le croyais pas capable de faire ça. Vous savez que Robert, on a discuté, on a dit Hugo Guez a sorti le maire au point de vue de Djorkaeff. Là, j'ai l'impression que, enfin, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Djorkaeff a beaucoup plus de maturité que le maire. Je dirais qu'on aurait pu s'en apercevoir avant, d'accord. Mais je crois que ça s'imposait, le retour de Djorkaeff s'imposait parce que c'est un joueur sûr, un joueur sur lequel on peut compter. Sur le plan international, c'est très important. Le maire aurait peut-être été un peu plus bousculé, plus dépassé. Je ne sais pas votre avis. Il est difficile de parler d'un joueur qui n'a pas joué. Je crois qu'il faut mieux pas aborder ce débat. Oui, mais l'expérience quand même. L'expérience, pour moi, c'est peut-être 20 ou 30 ou 40% selon l'équilibre nerveux du joueur. Oui. C'est extrêmement important. Et Djorkaeff, là, pour moi, je le mets à égalité avec Bosquet et avec Herbin, bien qu'il était plus sobre, on l'était moins en évidence. Oui. Mais vraiment, ce qu'il a fait, de mon point de vue, tout à fait remarquable. Dans l'équipe polonaise, maintenant, qu'avez-vous remarqué? Bien, j'ai d'abord remarqué leur faiblesse. Leur faiblesse défensive, à chaque rare contre-attaque française, il faut bien le dire, ils ont été assez rares, ils ont semblé extrêmement surpris, comme cloués au sol par la vivacité de Dinalo, Guy, Loubet, et ils ont été pris presque à chaque fois par les 1-2. Et ça, c'est vraiment très positif pour les Français. En attaque, les Polonais, c'est pas facile, parce que les Français sont bien groupés avec Bosquet. Il y a quand même quelques individualités. Oui, mais ils n'arrivent pas encore à coordonner exactement. À mon avis, ils ne jouent pas assez sur Brigitte. Vous avez suivi des cours de polonais récemment. Oui, Brigitte. Ce Brigitte devrait orienter leur jeu. Il devrait jouer plus avec lui. C'est un homme d'expérience. Il l'a prouvé d'ailleurs par son but, qui est tout à fait remarquable. Il me semble qu'il est un peu trop oublié. Maintenant, c'est l'affaire des Polonais. On ne peut pas se mêler des affaires des autres. Oui, c'est incontestablement. Mais enfin, il y a deux équipes en présence. Il convient d'analyser le jeu des deux équipes. Brigitte, j'ai remarqué également le rôle très important que joue dans cette équipe Scholtysik, numéro 10. Oui, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Et celui-là, il va falloir encore le surveiller de très près pendant 45 minutes parce qu'il peut nous attirer beaucoup d'ennuis, je le crains. Je n'ai pas été très impressionné par les ailiers polonais. Faber semble meilleur que Gadora, mais il faut dire que nous sommes assez mal placés. Faber, on le voit de très très loin, et ça nous est plus difficile de juger. Je suis convaincu que les téléspectateurs l'ont vu mieux que nous, d'ailleurs. Oui, de la manière dont nous sommes placés, incontestablement. Il a fait deux, trois actions qui sont celles d'un homme de classe, de valeur. Bien, voilà les considérations générales que nous devions de faire à la mi-temps sur ce premier mi-temps du match France-Pologne. Je voudrais maintenant effectuer avec vous, Robert, un petit retour en arrière. Vous avez fait l'écho, d'ailleurs, comme de nombreux journalistes, d'un certain flottement, disons. Enfin, certains n'ont pas compris des décisions, des changements au sein de l'équipe de France, les changements que Hugo Guez a opérés à la suite du match d'Odense. Je crois que ça aussi, il faut l'expliquer aux téléspectateurs, parce que ça ne manque pas d'avoir d'importance. Écoutez, Pierre, là, vous me gênez beaucoup parce que je pense que lorsque l'on doit critiquer quelqu'un, il a un droit impératif qui est celui de réponse. Or, si notre ami Louis de Gueguez était là, je serais ravi de lui dire les points sur lesquels je n'ai pas été d'accord et je ne suis pas seul dans ce cas. Mais là, comprenez que c'est très difficile. Il faudrait parler avec Louis de Gueguez. Ce n'est pas tant une critique de Gueguez, c'est... rappeler, parce que on ne critique pas un homme qui n'est pas présent. Ce que je voudrais, c'est que
vous rappeliez certains faits, vous avez suivi cette opération de très près, il faudra rappeler aux téléspectateurs et vous donner votre sentiment à vous. Écoutez, je crois que Dugoguez, comme tout homme qui commence, qui prend des responsabilités très importantes et qui commence de les prendre, a été en quelque sorte, je ne dirais pas dépassé, mais apeuré par l'ampleur de la tâche et le nombre de problèmes qui se posaient à lui. Qu'il ait commis des erreurs, ou que l'on suppose être des erreurs, est une chose. Mais pour le moment, sa réponse, c'est la meilleure. L'équipe de France mène 2-1. Je suis d'autant plus à l'aise de le dire que je n'ai pas du tout d'accord avec lui sur beaucoup de points, parce que je pense que c'est très grave de retirer un joueur sur une impression d'un match sans grande importance. Alors, je suis donc à l'aise pour le dire. Maintenant, il est certain que Louis Dugoguez, qui est un homme qui a beaucoup de qualités, s'est sans doute aperçu de certaines erreurs qu'il a commises et qu'il évitera de les commettre dans l'avenir. On peut et on doit lui faire confiance dans ce domaine. Et encore une fois, comme les gardiens de but, il y a pour le sectionneur un coefficient de réussite. Pour le moment, il semble avoir. Eh bien, tant mieux, bravo. Oui. Du reste, d'une manière générale, Marcel Aubourg est un joueur qui a toujours beaucoup de chance. On est quand même surpris qu'il n'ait pas pensé à mettre Aubourg avant, parce que c'est quand même très désagréable pour Carnus, qui est un excellent gardien de but, de surcroît un homme charmant. Là n'est pas la question. C'est quand même extrêmement désagréable de se voir éliminé alors qu'on croyait avoir sa place. Et sur un match sans grande importance. Voilà d'ailleurs, Robert, ce que j'attendais. Ma question tout à l'heure a peut-être mal été posée. Voilà exactement la réponse que j'attendais de vous. C'est surtout ça. Disons que ce n'est pas une erreur capitale, c'est une erreur psychologique. C'est dommage pour un garçon comme Georges Carnus de se voir préférer un autre joueur qui est un copain en plus à la dernière minute, alors que finalement on n'a pas démérité. Mais enfin, tout ça, c'est pas très important. Ce qui est important, et vous êtes bien d'accord avec moi quand on regarde le tableau d'affichage, l'équipe de France mène actuellement par 2-1. Nous allons assister maintenant, dans quelques instants, à la deuxième mi-temps. Alors que la musique de l'orchestre militaire polonais diffuse quelques airs, elle est installée dans la tribune. Le stade maintenant est copieusement garni, il y a au moins 80 000 spectateurs. Nous allons nous-mêmes reprendre notre place. Kowalski.
Oxus Saltozic. Saltozic. Direction de Gadora, balle dégagée. Touche pour la Pologne, qui va être effectuée par Kowalski. Kowalski, deux joueurs, Paisa et Gadora s'enchaînent, mais c'est une sortie en 6 mètres. Saltozic, c'est le numéro 10 en homologue, c'est-à-dire Dinalo qui va récupérer la balle. Oui, il a passé magnifiquement à Michel. Michel qui lance en avant, peut-être trop loin en avant d'ailleurs. Loubet, la balle va en touche. Kowalski. Kowalski, Brigzi. Brigzi sur Bosquet directement. Bosquet qui cherche Herbe. Herbe lobé par cette balle, mais elle est récupérée par Guy. Coup franc. Brigzi, Souski. Souski, Gadora. Gadora devant Baeza. Gadora devant Baeza. Brigzi à nouveau. Jolie balle. 1-2, Brigzi. Oh ! Oh, ce 1-2 entre Brigzi. Entre Brigzi et Souski était absolument magnifique. Mais vous avez vu que Brigzi a tiré à côté de la cage, gardée par Marcel Aubourg. Le match est repris maintenant depuis 2 minutes. Je vous rappelle que c'est l'équipe de France qui mène ici au stade du 10e anniversaire à Varsovie par 2-1. But marqué par Robert Herbin et Loubet pour l'équipe de France et par Brigzi pour l'équipe de Pologne. Dégagement de Marcel Aubourg qui cherchait la tête de Guigui qui est légèrement bousculé. Ah, ici, Dinalo est en jeu. Le juge de touche avait levé son drapeau alors que le lob de Dinalo était absolument magnifique. C'est bien dommage. Loubet avait senti Dinalo. Il lui a bien passé la balle. Dinalo a évité son défenseur, a lobé le gardien de but, mais tout ça en pure perte. Dégagement maintenant par Gmok. Loin en avant. Ah, Brigzi tombe. Récupéré par Baeza. La balle est en touche pour la France. Baeza. Michel, Loubet qui est bousculé là par Saltozic et Kowalski. Brigzi. Brigzi encore. Eh bien là, la défense française vient de passer un bien mauvais moment là. Elle s'est bien dégagée quand même. Michel, l'ensemble du terrain pour Loubet. Interception des Polonais. Oh là là, là on lutte vraiment d'une manière terrible sur toutes les balles. Il y a des bousculades à n'en plus finir là. L'arbitre sanctionne Guy, on ne sait pas trop pourquoi. C'est Faber maintenant qui a la balle. Faber qui a été crocheté par Djorkaeff. C'est un corner. Corner qui est tiré par Faber. Faber, bien tiré d'ailleurs par Faber, on se bouscule là sur face de réparation, Saltozic va pour tirer, a tiré, nouveau tir maintenant magnifique de Souski, mais qui est passé à côté. Depuis la reprise, bien sûr, inutile de vous dire que l'entraîneur Mathias a donné des consignes très particulières à ses joueurs. Quand une équipe est menée, elle cherche bien entendu à revenir à la marque, d'abord à égaliser, puis ensuite à chercher à gagner. Mais là, nous passons en défense. De mauvais moments. Vous me direz que le match a recommencé seulement depuis 5 minutes. Mais là, nous souffrons en défense. Balle contrôlée là par Saltozic dans ses œuvres. Oh, Loubet lui avait récupéré la balle. Ici, Kowalski. Kowalski. Brigzi. Oh, Brigzi qui joue magnifiquement. La balle a été arrêtée. Brigzi est bon par Baeza. Ici, c'est Kowalski.
Kowalski, balle dégagée par Baeza, là, qui vient de faire de très jolies choses. Michel Loubet, mais ça va trop loin, tout ça, c'est en touche. Touche pour monsieur Oschlitzo. Kowalski, Baeza à nouveau, qui s'en tire très bien sur ces trois actions, d'ailleurs, Baeza. Oschlitzo, Kowalski. Kowalski, l'arrière qui est en position d'ailier droit. Herbin va dessus, le contrôle très bien. Bravo, encore un magnifique travail de Robert Herbin qui dégage cette balle tête de Guy en direction de Michel. Michel pour Loubet, mais ça va trop loin tout ça. La balle est à Kmok. Elle est récupérée maintenant par Oschlitzo. C'est Dinalo qui l'a récupérée à nouveau. Voyons, on se fait des passes, on se fait des gentillesses en ce moment. La balle est pour la France, touche pour la France par Michel. Michel Dinalo, Dinalo. Michel qui est poursuivi là par un attaquant polonais. La balle à nouveau est à Michel en touche. Michel, Loubet, Michel. Michel, la balle n'importe où là, il y avait strictement personne. Si ce n'est monsieur Gmok qui a passé tranquillement son gardien de but, Koska. Koska qui a dégagé à gauche en direction d'Angjok qui monte balle au pied. Là, Djorkaeff et son délai gauche Gadora se livrent un singulier duel. La balle est pour la France, récupérée par Loubet. Attention, ça peut être dangereux. Loubet qui va lancer Dinalo. Dinalo qui va se présenter seul. Non, mais la balle est interceptée par le numéro 4, c'est-à-dire Angjok. Dégagement de la défense polonaise. Et on y va, Dardar. Interception de Baeza. Baeza, Herbin. Herbin très tranquille, très sûr de lui. Angjok. Angjok poursuivi par Djorkaeff. Angjok contrôle bien ce ballon et va pouvoir dégager. Angjok toujours loin en direction de... Il cherchait Gadora, il a trouvé Herbin. Contre-attaque polonaise par Faber, poursuivi par Robert Herbin. Faber qui centre bien, balle récupérée in extremis par Bosquier qui peut dégager tranquillement en touche. Vous avez remarqué encore sur toutes ces actions que l'on retrouve en défense, parce que comme le disait Robert Van tout à l'heure, on va souffrir, c'est incontestablement, puisque les Polonais sont menés à la marque. Ils mènent actuellement toutes les offensives. Mais deux hommes se distinguent actuellement dans l'équipe de France. C'est encore Bosquier, qui est vraiment impérial en défense, et Robert Herbin, qui lui met de l'ordre dans la maison. Il fait le ménage, il déblaye tout, il ramène les balles en avant. Il joue vraiment un rôle très important, un rôle de stabilisateur, de stratège de cette équipe de France. Si seulement Bosquier pouvait être aussi soigneux en faisant le ménage qu'Herbin, ce serait parfait. Scholtysik, longue balle en avant, Bosquier à nouveau, qui fait à nouveau le ménage. Un dégagement absolument terrible, ce Bosquier. Un dégagement tel qui vous traverse le terrain, c'est vraiment sensationnel. Ici le numéro 3, Oschlitzo. Ah, ici, incontestablement, il y a un coup franc. Herbin ne l'a pas fait exprès. Allez, on accorde le coup franc, puis c'est fini. On ne va pas discuter pendant 107 ans. C'est un coup franc à l'avantage de la Pologne. Coup franc qui va être tiré par Oschlitzo. Non, non, oui, non. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? On discute beaucoup, je trouve. Les joueurs se serrent la main, c'est fini. On ne va pas discuter pendant 107 ans. Oschlitzo, en effet. Oh là là, tête plongeante la polonaise qui était du meilleur effet, bien captée par Marcel Aubourg qui peut tranquillement maintenant dégager. Il va chercher une tête, et celle de Dinalo, il la trouve. Vous avez eu Dinalo qui vient de récupérer une balle de la tête, le petit bonhomme, le petit prince de Gerland. Relance de l'attaque polonaise maintenant, Scholtysik comme d'habitude, Scholtysik Suski, Suski Scholtysik à nouveau, Scholtysik qui cherche Gadora. L'ailier gauche qui joue maintenant au poste d'ailier droit. Mitorage, très bien Mitorage sur cette action. Mitorage qui effectue aujourd'hui ses débuts en équipe de France. Ah, c'est dangereux, c'est Mitorage. Suski, tir de Suski contré par la défense française qui s'en tire très bien. La Mitorage a effacé un adversaire, deux adversaires, trois adversaires. Il a été déséquilibré, bousculé. Et là, c'était quand même extrêmement dangereux. Mitorage, qui vient d'effectuer cette action, joue, vous le savez, à l'association sportive de Saint-Étienne. Il mesure 1m76 pour 74 kg. Il a 27 ans. Il a effectué ses débuts internationaux tard. Il est né à Bourges en 1940. Ici, une action polonaise, captée par Aubourg.
Il porte le maillot Mitorage de l'équipe de Saint-Étienne depuis 9 ans. Il a été international amateur et international militaire. Son éclosion a été assez lente. Mais depuis l'arrivée de Bosquier à Saint-Étienne, les deux joueurs se sont trouvés. Ce sont deux joueurs complémentaires qui s'entendent fort bien au centre d'une défense. Ils l'ont prouvé à Saint-Étienne et ils sont en train de le prouver au sein de l'équipe de France. Ici Kowalski. Kowalski en direction de Suski. Suski Brzyzi. Soltysik. Soltysik. Soltysik Suski. Suski Brzyzi. Qu'il est bon ce Brzyzi. Il cherche une tête. Oh là là. Ça, Brzyzi, une fois de plus, a très très bien joué. Sa balle était. Son centre-tir était un peu loin. Il cherchait une tête. Peut-être celle de Soltysik ou celle de Gadora, mais il n'a pas trouvé sur cette occasion. Mais chaque fois que ce Brzyzi a la balle dans les pieds, je vous assure qu'il en fait un bon usage. Il est extrêmement dangereux. Longue balle de Bosquier. Loubet va très vite. Gmok aussi. C'est finalement Gmok. Non. Oh non. Gmok avait l'avantage. L'arbitre trouve que Loubet a eu un tacle un peu sévère. Il vient voir Loubet, il discute avec lui. Il dit, monsieur Loubet, faites très attention, il ne faudrait pas recommencer. Ça, bien sûr, en polonais. Et puis Loubet, lui, en français, n'y comprend rien du tout. Il n'a pas mis Torage à côté de lui, qui est d'origine polonaise, pour traduire. Mais enfin, il sait que c'est un coup franc. Là, c'est Herbin qui lutte avec Lubanski. Herbin encore, qui lutte encore magnifiquement, cette fois avec Soltysik, qui est un peu bousculé par Mitorage. Mitorage en direction de Herbin. Herbin, Michel. Michel qui évite Brzyzi, Michel Loubet, Loubet avec son garde du corps Kowalski, Brzyzi, Gadora, Gadora, Suski, 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 Brzyzi, Faber, Faber, Brzyzi encore, attention à Brzyzi, Faber, Faber, longue balle en avant qui arrive peut-être un peu loin. Elle va être récupérée par Guinon, les Polonais, Soltysik ici, Soltysik, Kowalski, magnifique interception de Baeza, Baeza, longue balle en avant, en direction de Loubet, mais Loubet est hors jeu d'au moins 3 mètres. C'est donc un coup franc. Un coup franc, c'est... Eh non, c'est pas une touche, monsieur Kowalski, c'est un coup franc. Voilà, très bien, Gmok, Gmok Kowalski. Kowalski... Les deux arrières montent beaucoup. Attention, la tête de Brzyzi. Oh là 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 là, cette tête qui est passée de très très peu à côté. Chaque fois, nous avons des frissons avec Robert Vergne ici, et des frissons qui sont communicatifs. C'est une sorte de nouvelle version moderne et pacifique du siège de Varsovie. Oui, c'est ça. La tête de Floridinalo. Auschwitz. Oluizo, Hangzok. Hangzok qui va la laisser à Faber. Faber en direction de Soltysik. Soltysik qui hésite à tirer. Il est devant Robert Herbin. La balle va dégager par Herbin. Non, on se bouscule dans la surface de réparation française. Et c'est Herbin qui a le dernier mot. Herbin en direction de Dinalo. Dinalo qui crochette bien mais est arrêté d'une manière irrégulière, ça il faut le dire, par le numéro 5, c'est-à-dire par M. Gmok. L'arbitre, j'espère, a donné un coup franc. Oui, il a donné quand même le coup franc à Dinalo. C'est normal. Dinalo. Dinalo, Loubet. Kowalski loin en avant. Touche. Touche pour Baeza, notre nouvel international, qui effectue d'ailleurs de très bons débuts en équipe de France. Brzyzi encore. Brzyzi Suski. Les deux de la ligne intermédiaire. Suski cherche Soltysik qui trouve la tête de Baeza. Mais la tête de Baeza va direction Monsieur Gmok, transversal de Gmok. Hangzok. Hangzok peut-être sur Faber. Non, c'est trop loin en avant tout ça. C'est trop loin en avant pour Lubanski qui a beaucoup couru vite, mais la balle allait beaucoup plus vite que lui. Ce qui va permettre à Marcel Aubourg de dégager. Je voudrais vous parler de Baeza. Vous l'avez vu il y a quelques instants effectuer... Une touche, il effectue de bons débuts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Retourné de Herbin. Je regarde si cette action n'est pas dangereuse quand même. Faudrait pas, pas. La Baeza vient de dégager. Il joue à l'Association Sportive de Monaco. Il a 1m76, 72 kg. Vous voyez, un bon gabarit de footballeur. C'est un pied noir.
Il est venu en France à l'Association sportive de Cannes en 1962. C'est l'ancien joueur du Havre, Jackie Ferrari, qui l'avait recommandé à l'entraîneur de Cannes. Il est venu à Cannes où il s'est fait une place, une brillante place. Et depuis cette saison, il joue à l'Association sportive de Monaco, qui aurait dit il y a quelque temps que Baeza allait jouer en équipe de France. Ça, c'est une des surprises. Relance pour la France. Dinalo ici, qui a été légèrement bousculé. Herbey, qui lance très loin en direction de Djorkaeff. Djorkaeff pour Dinalo. Robert Veyne fait un signe, il dit oui, je vous l'avais dit tout à l'heure, et c'est vrai, ça se démontre une fois de plus. La défense polonaise vient de dégager une touche qui va être effectuée par Djorkaeff. Djorkaeff est un arrière, mais un arrière qui sait être offensif. D'ailleurs, à ses débuts à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il a effectué ses débuts à l'Olympique Lyonnais, Djorkaeff, que l'on appelle Tchoukine, eh bien Tchoukine jouait au poste d'avant-centre, et puis il a évolué aussi au poste d'ailier gauche. Moi, je l'ai vu à Lyon jouer un peu à toutes les places. Donc il a le sens de l'attaque, et ce garçon, cet arrière, maintenant puisqu'il joue arrière, c'est Jasseron qui lui a dit de jouer arrière. Ici c'est Loubet. Loubet-Guy, c'est dangereux. Tire de Guy, un tir magnifique, mais enfin, qui est passé très très légèrement à côté. Oui, je vous parlais de Djorkaeff. Djorkaeff a été attaquant, donc si vous le voyez lancer des offensives, c'est tout à fait normal. Comme il n'arrivait pas à s'imposer comme attaquant, Lucien Jasseron, qui était alors l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lui a dit « Je vais te donner ta chance comme arrière ». Et vraiment, Djorkaeff s'est imposé comme un excellent arrière. Longue balle en avant pour Loubet. Loubet qui ressent bien pour Guy, qui a été bousculé ici par Gmoc. La balle, Guy à nouveau. Et le but. But pour l'équipe de France. But pour l'équipe de France. Mais non, messieurs, ne vous embrassez pas, le juge de touche avait levé son drapeau. Alors, quelle est la décision là? L'arbitre la corde. Robert Veyne m'a fait remarquer que l'arbitre, le juge de touche, a levé son drapeau, ça c'est incontestable. Mais l'arbitre, monsieur Marshall, qui est le seul maître après tout de ces décisions, a bien accordé ce but. La deuxième mi-temps est commencée depuis 17 minutes. Et c'est Guy, l'avançant de l'équipe de France, qui vient d'inscrire le troisième but pour la France. Les Français se défendent vraiment très bien. 18e minute de jeu en deuxième mi-temps, c'est-à-dire 45 et 10, 55 et 8, 63, 63e minute du match. Vous voyez que je compte pas mal, 63e minute du match. L'équipe de France mène par 3 à 1. Heureusement qu'il n'y a pas eu synchronisme, enfin heureusement pour la France qu'il n'y a pas eu synchronisme entre le juge de touche et M. Marshall, l'arbitre, l'arbitre, sachez-le, est le seul maître sur le terrain, c'est lui qui donne la décision, c'est à lui que revient la décision finale. Il a accordé le but, et bien c'est tant mieux pour l'équipe de France. C'est même extrêmement rare sur terrain adverse qu'un arbitre déjuge son juge de touche, parce que j'avais les yeux fixés un peu par habitude, par réflexe, ouais, conditionné, ouais, sur le juge de touche qui a très nettement indiquait la position hors jeu de Guy, et je crois qu'il avait raison d'ailleurs. Oui. Mais voyez-vous, cette espèce de chance qui poursuit actuellement l'équipe de France continue, et bien encore une fois, bravo. Je vous disais tout à l'heure, vous m'avez fait un petit peu un reproche. Hein, vous m'avez dit, vous êtes très optimiste. Oui, j'ai bien fait de l'être, Robert. Ça continue, 3-1 pour l'équipe de France. Coup franc très dangereux qui est envoyé par le mur français. Et là, c'est un corner. Corner qui va être tiré par Faber. Oui, le mur français avait détourné cette balle, incontestablement, c'était un corner. Faber va le tirer. Tête de Robert Herbin une fois de plus. Soltysik. Gadocha, tir contré par Baeza. Touche pour la Pologne. Gadocha. On me reprend derrière moi. Gadocha. Voilà, c'est ça la prononciation. Brigzi. Balle dégagée en touche pour la Pologne. Kowalski. Oh là là, cette talonnade de M. Gadocha. Balle loin en avant. Nouvelle touche pour la Pologne. Toujours Kowalski. C'est vraiment l'homme préposé aux touches, celui-là. Bosquet de la tête, du pied. On jongle. Retournée de Bosquet. Ça, au point de vue technique, c'est très bon.
Bien sûr, mais enfin, ça sert strictement à rien. Hein. Surtout en match international, là, vous menez par 3-1, il faut quand même faire attention, faut jamais s'amuser. Regardez, Soltysik, la balle contrée par Guy. Regardez, Guy maintenant, l'avancée de l'équipe de France qui joue en défense, il cherchait la tête de Lubanski, mais magnifique interception de Marcelo Bou. Attention, numéro 3, bien contré par Bosquet, une fois de plus, un nouveau tir de Lubanski, bien arrêté ici par Marcel Aubourg, comme à la parade. L'équipe de France, Djorkaeff loin en avant pour Dinalo qui lance en direction de Michel qui poursuit son action, qui tente sa chance, mais là vraiment il a mal ajusté son tir, Michel, et la balle est passée complètement sur la gauche, et j'ai l'impression que Michel avait envie de faire jouer les spectateurs du stade du 10e anniversaire. Au moins, ils auront touché la balle, ça leur fera un souvenir. Au moins un, peut-être deux, j'en sais rien. Gadocha, Brigzi, intervention de Robert Arbin, qui lutte avec Brigzi. Robert Arbin. Ça, vraiment, il en fait. Gadocha qui lance Lubanski, attention à Lubanski qui déborde. Beau centre, attention à la tête. Oh, le tir de Soltysik qui passe à au moins 10 mètres au-dessus, complètement dans les nuages. Ça, le débordement de Lubanski, l'avant-centre polonais sur l'aile droite, était de toute beauté, son centre vraiment exceptionnel, mais la reprise de Soltysik a été complètement manquée. Ce qui fait que le match, la deuxième mi-temps a commencé depuis 22 minutes et c'est toujours la France, l'équipe de France, qui mène devant la Pologne par 3-1. Attention ici, Gadocha tout seul, magnifique détente de Bourg qui sauve devant Gadocha, attention ce nouveau tir polonais, Mitorage tranquillement devant Gadocha, et la défense française vient encore de souffrir, Michel Herbet, la France contre-attaque immédiatement. Oh là là, Seigneur, quel match, c'est formidable. Ici Gmok Angzok. Ah vraiment, ça je vous assure que ça fait plaisir de prendre contact avec l'équipe de France aujourd'hui. On vous a dit tout à l'heure que l'équipe de France avait beaucoup de chance, ça c'est incontestable, mais vous savez que quand on veut gagner une partie dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la vie, que ce soit en football, j'ai l'impression que on gagne à condition que l'on travaille et puis que la chance vous aide. Bravo à l'équipe de France. Ici, une longue balle en avant pour Loubet qui s'arrête à temps parce que la balle était beaucoup trop loin. C'est Kostka, le gardien de but polonais, en direction de Kowalski. Gadocha qui lutte avec Baeza, mais Baeza l'a avoué incontestablement la bousculé. C'est un coup franc tout à fait normal. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde dans la défense française. Tous les joueurs jouent repliés, sauf Loubet, qui actuellement est en pointe. Est-il de... Et encore. Bon, enfin, écoutez, hein. Ça, quand on mène 3-1 au bout de 24 minutes en deuxième mi-temps sur terrain adverse, eh bien, mon Dieu, ça se comprend. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ça, c'est Dinalo qui a la balle. Dinalo Gmok. Angzok. Angzok Soski. Soltysik loin en avant, monsieur. Beaucoup trop loin en avant, monsieur Soltysik, tout ça. Lubanski s'était déjà démarqué, mais la balle est allée nettement plus loin que lui. Tête de Gmok. Ah, la balle revient en arrière. Kowalski, Soltysik. Bravo, monsieur Michel. La balle revient derrière. Oschlitzo qui monte. Direction de Brigic. Attention à Brigic. Très jolie passe spontanée à Gadocha. Ah, qui a été. Gadocha qui n'a pas pu redresser cette balle. Et la défense française va pouvoir dégager. Mais de toute façon,
devant Gadora, vous avez remarqué que Baeza avait tout à fait fermé l'angle de tir et là, il n'y avait pas de problème, c'était extrêmement difficile. Au pire, la balle pouvait partir en hors-jeu, en corner, entendez-moi. Scholtysik, Mock, Kowalski, tout le monde en défense dans l'équipe de France. Centre-tir bien capté, il n'y a personne à réception, par au bourg. Herbe qui évite Angzok, qui le bouscule. C'est un coup franc ça. Eh oui, monsieur Angzok, vous avez bousculé Herbe. Mais en fait, ça c'est utile parce que ça permet à la défense polonaise de se regrouper. En fait, c'est utile pour la Pologne. Quel travail fait Robert Herbin sur le terrain, c'est formidable. Il y a Guy qui joue en défenseur. Attention à Gadora qui crochette bien. Littorage calmement. Le préposé aux touches arrive, toujours Kowalski. Kowalski qui cherchait Scholtysik. Mais il a trouvé Michel qui jongle. Et ça, maintenant, c'est une touche pour l'équipe de France. Par Michel, qui a bien joué le coup d'ailleurs, devant Brugzi. Michel, qui est très loin, il a trouvé la tête de Kmok. Allez, on repart l'attaque tout de suite. Guy Loubet. Guy Loubet poursuivi par Kowalski. Loubet qui tente sa chance tout seul, il pousse sa balle un peu loin. Non, il le reprend, il arrive tout seul à un mètre. Oh, mais pourquoi tire-t-il au lieu de la mettre en retrait sur Dinalo qui était là tout seul. Ça, bien sûr, c'est facile à dire, c'est peut-être moins difficile à faire. Loubet fait une très très belle action. Vous l'avez remarqué, il déborde tout le monde. Il lâche Kowalski qui n'arrive pas à revenir. Il arrive à 2 mètres du gardien de but. Dinalo était démarqué, c'est dommage. C'est sans doute qu'il ne l'a pas vu parce qu'il était plus. Oui, c'est ça. Il était concentré par son effort. Il s'est dit. Je vois le but, je vois le gardien de but, je tente ma chance. Bravo là, qui est bien lancé, mais non. Vous savez, la fatigue se fait sentir dans les jambes françaises comme dans les jambes polonaises d'ailleurs. Ça permet à Oschlidzo de prendre la balle, la lancer en direction de son ailier droit qui occupe une position d'ailleurs curieuse. Faber qui va centrer tranquillement. Oui, il trouve là Bosquier, tranquille. Bosquier en direction de Dinalo. Dinalo qui évite Kowalski, qui le met dans le vent. Dinalo, Loubet. Loubet, attention, Dinalo est lancé en avant par Loubet. Dinalo arrive. Il évite la charge d'un adversaire, mais il ne peut pas éviter Kmok. Angzok Suski. Suski qui doit chercher certainement Brugzi, non. Angzok à nouveau. Angzok sur son aile gauche. Un très joli sensation à Scholtysik qui arrive. Non. Baeza dégage. Il cherchait Loubet. Il trouve Kmok qui relance en direction de Gadora. Balle dégagée par Baeza. La mi-temps est commencée depuis 29 minutes. Kmok, non, la défense française peut se dégager par Mitorage, Djorkaeff. Djorkaeff laisse derrière pour Herbe, très bien joué tout ça. Herbin, les deux H viennent de pairer, Herbin à nouveau. Djorkaeff. Qui va plus en avant, en arrière, très très bien ça, Djorkaeff, qui lance en direction de Herbin. Herbin, qui est déséquilibré ici par Oschlidzo qui a le dessus. Oschlidzo qui peut relancer son attaque. En direction de Brugzi, Suski. Lubanski, très bien Lubanski. Lubanski trop loin en avant. Bosquier Dinalo. Non, Loubet, je veux dire. Loubet. Loubet qui déborde très bien, Kowalski, on n'arrête pas comme ça.
Il va passer Gmoc tout seul, là, il peut tenter sa chance. Le tir n'est pas assez appuyé, Koska peut dégager pour Scholtysik. Maintenant, Robert Veigne, un quart d'heure de la fin. Nous menons toujours par 3-1. L'équipe de France mène par 3-1. Scholtysik la descend. La France peut dégager le point. Eh bien, c'est l'histoire du dernier quart d'heure, c'est le cas de le dire. Je crois que maintenant, c'est gagné. Et ça m'étonnerait qu'ils encaissent deux buts, que les Français encaissent deux buts dans le dernier quart d'heure. Ils ont réussi leur tactique de contre-attaque. Eh bien, c'est très, très bien. Et il faut les féliciter, surtout que c'est quand même très rare. Ils ont peut-être été servis par une certaine réussite, mais encore une fois, ça fait partie du football. Regardez Dinalo, là. Et Dinalo fait un bon centre. Oh, non. Cette chance. Sur Herbe, oh, cette chance extraordinaire. Là, Koska a eu un réflexe étonnant, mais il a quand même été servi par la chance. Et ça fait aussi partie du jeu qu'un gardien adverse soit très bon. Mais voyez-vous, ils ont très, très bien joué le coup, en ce sens qu'ils ont obligé les Polonais, en quelque sorte, à mal jouer, à passer par le centre, à rentrer dans une espèce d'entonnoir. Et de cet entonnoir, ou cette nasse, comme vous voulez, les Polonais n'ont pas réussi à en sortir. Ça c'est très évident. En plus, une fois de plus, il y a eu le problème de la vivacité d'action, vous savez... Attention à Kowalski, ici, qui tente sa chance contrée par Beza. Guy. Dans ce magma de joueurs, de jambes, il est certain qu'on est obligé, les réflexes comptent beaucoup plus que toute autre chose. Et là, les réflexes français sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus prompts que les réflexes polonais. Je crois que c'est une observation que l'on pouvait faire. Maintenant, il faudrait quand même pas trop crier victoire, parce qu'il y a des fois des effondrements subis. Il est très difficile de marquer un but, il arrive qu'on en marque deux ou trois en deux minutes. Mais je ne le crois pas. Mais la France domine actuellement, ça c'est incontestable. Regardez encore cette offensive de Djorkaeff, là. Tous les joueurs lèvent le bras, chacun réclamait un coup franc. Mais l'arbitre, M. Marshall, dit « Allez, laissez jouer, tout ça c'est pas très grave. » Ici c'est Mitorage qui vient de dégager en touche. C'est Faber qui va faire cette touche. Scholtysik. Et les Français repartent de plus belle. Là, vraiment, incontestablement, depuis un moment, ils le dominent. Là, une mauvaise passe de Dinalo. Kowalski. Ça, la Pologne a incontestablement baissé d'un ton. La fatigue se fait sentir pour l'équipe de Pologne comme pour l'équipe de France. Et puis, la France mène par 3-1. Tout ça, c'est très difficile. Regardez Scholtysik contré par Herbin, Brigzi, Herbin qui dégage encore très, très bien. La défense française, vous me direz, est très regroupée là actuellement. Il y a 7 ou 8 joueurs en défense, mais enfin, immédiatement, les Français contre-attaquent. Regardez ici Dinalo, tranquillement maintenant, comme à la parade, il cherche un partenaire. Il trouve Robert Herbin. Robert Herbin, Baeza. Baeza, Robert Herbin, et Herbin qui glisse. Et c'est Kowalski qui relance l'attaque pour la Pologne. Kowalski va certainement chercher Gadora. Bravo, Baeza, Dinalo. Ça peut être extrêmement dangereux. Suivez bien. Loubet pour Dinalo, mais c'est trop loin. Eh oui, Koska peut arrêter le ballon. Loubet. Ah, mauvaise passe de Loubet, Kowalski et Gmoc ont dégagé, c'est Kowalski qui a la balle. Souski, Faber, Brigi sur l'aile gauche. Brigi qui lance loin en avant sur Faber. Mais la balle sort et la défense française va pouvoir dégager. Ça incontestablement, non seulement l'équipe de France mène à la marque, elle mène par 3-1, d'ailleurs certains spectateurs polonais quittent le stade du 10e anniversaire. Il reste quand même, messieurs, je vous le rappelle, ou mesdames, 10 minutes à jouer. C'est quand même très important. Mais ceux-là se disent, on était venu voir l'équipe de Pologne gagner. On est déçus. Alors on rentre à la maison. Et puis, maintenant qu'on a vu le football, on va aller voir la finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme. On va arriver à temps à la maison. Comme ça va être très bien. Ils auront eu deux plaisirs sportifs dans leur après-midi, deux plaisirs sportifs de qualité, parce qu'ici, ça a été un match très intéressant.
ça il faut le dire, les joueurs se sont livrés à fond. Maintenant, si le ton a baissé, ben mon Dieu, ça se comprend un peu. N'oublions pas que pour l'équipe de France, la saison de football a recommencé il n'y a pas tellement longtemps. Là, c'est Loubet qui a cherché Dinalo. Dinalo qui cherchait Loubet, mais il a trouvé un Polonais. Nouvelle interception de Baeza. Là, qu'est-ce qui s'est fait, Baeza? Il tire un peu la jambe. Là, bientôt, les jambes sont lourdes maintenant. Kmok, loin en avant, mais voyez-vous, il y a personne, une tête. Attention, c'est reparti pour la Pologne. Lubanski, non, mais la défense française contient fort bien les attaques polonaises qui sont maintenant vraiment très désordonnées. Ici, Herbin, on calme le jeu du côté de la France, c'est tout à fait normal. Herbin qui cherchait Dinalo, il a trouvé Hangzok. Hangzok tranquillement sur Suski. Suski loin en avant sur Lubanski. Lubanski, une tête, il trouve Herbin. Herbin passe la balle à Marcelo Bourg. Herbin, attention, là, interception des Polonais, Scholtysik, Lubanski. La balle est encore aux Polonais, Gadora bien marqué par Baeza, Gadora qui cherche Suski, on se bouscule là-bas un petit peu, et oui, et finalement, l'arbitre dit que c'est M. Suski qui a bousculé Guy, donc c'est un coup franc pour la France, un coup franc qui va être tiré par Baeza, qui passe tranquillement, bien sûr, à Marcel Aubourg. Il reste maintenant 8 minutes de jeu, l'équipe de France mène toujours par 3-1. Ça dit au passage, l'équipe de France prend la tête de la poule 7 du championnat d'Europe des Nations, puisque la Pologne, je vous l'ai dit tout à l'heure, était en tête avec 5 points devant la France, 4 points égalité avec la Belgique. Attention à ce centre-tir qui trouve la tête de Baeza. Baeza, le nouvel international qui cherche Loubet, on se bouscule un peu. Dinalo qui a la balle. Dinalo qui va éviter Gmok, qui va l'éviter. Herbe, tranquillement. Oh là là, il y a du monde sur Herbe. Il évite tout le monde. Oh là, bousculade de Suski. Coup franc en faveur de Herbe. Ça, dans l'ensemble, je demanderai tout à l'heure à Robert Vagne, mais à mon avis, le match a été bien arbitré. C'est bon en football, je crois que qu'un arbitre ne siffle absolument pas tout, laisse jouer certaines actions, respecte la loi de l'avantage. Là, c'est Gmok qui vient de dégager loin en avant, sur la tête de Brigzi. Brigzi cherche Suski. Suski, Brigzi. À nouveau, tranquillement sur Soltysik. Soltysik, Faber. Faber en direction de Brigzi encore. Oh, un centre-tir qui est pas mal, mais qui n'arrive à personne si ce n'est à Marcel Aubourg. Loubet, Dinalo. Dinalo pour Loubet à nouveau. Loubet. Mais Loubet est bien seul dans cette affaire. La défense polonaise se regroupe. Guy Baeza, l'équipe de France garde la balle. Michel pour Djorkaeff. Une fois de plus monté à l'attaque. Djorkaeff en retrait pour Mitoraj. Actuellement, vous voyez, les Français jouent surtout pour garder la balle, comme au basket dans les dernières minutes. Ah oui, excellente comparaison. Comme au basket, ça va faire plaisir à Joe Choupin. Les Français gardent la balle. Attention, tout seul à Dinalo. Oh là 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 là, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau, encore Dinalo et Guy là, qui se trouvent. Mais alors vraiment, ce but comme à la parade, décontracté. La défense polonaise était complètement hors jeu. Du coup, j'en oublie mon temps. Nous sommes à 6 minutes avant la fin du match. C'est-à-dire que c'est la 84e minute de jeu. Dinalo vient d'ajouter un quatrième but. Les spectateurs polonais quittent de plus en plus nombreux le stade. 4-1 ici. Robert, je crois que c'est un résultat vraiment sensationnel. Moi, j'emploie ce terme parce que, écoutez, sincèrement, au départ, il faut être honnête, au départ, on avait dit, ça va être extrêmement difficile. Hein. On n'y croyait pas beaucoup à cette équipe de France. Ben mon Dieu, 4-1 ici, au stade du 10e anniversaire à Varsovie, c'est un beau résultat. Il faut le faire, comme dit quelqu'un. Mais comme dit quelqu'un, il faut le faire. Et personne, ou presque personne n'y croyait. Il faut être très objectif, il faut le dire, reconnaître les choses. Je crois même, j'ai pas mes archives sur moi, mais je pense qu'il faut remonter à un certain Autriche-France d'il y a au moins 10 ans ou 12 ans pour retrouver un tel écart sur terrain adverse.
c'est ce qui prouve l'importance de cette victoire dans un match de compétition de l'Oublion. Bon, tout à l'heure, il faudra que je rende l'antenne tout de suite après le coup de sifflet final. Votre conclusion? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord féliciter les joueurs qui ont montré un esprit de corps tout à fait admirable. C'est la victoire d'une équipe. Le football est un sport collectif et ils ont joué collectivement dans des conditions psychologiques très difficiles, sur terrain adverse. Et vraiment, on se demande quelles critiques on pourrait leur apporter. Ils ont choisi une tactique qui a réussi. Elle plaît ou elle ne plaît pas, mais la compétition n'est pas un exercice de style. Il faut se qualifier, il faut gagner. Ils ont rempli plus que leur contrat et ils en ont même, je dirais, rajouté, parce que vraiment, ce quatrième but, au moment où ils gardaient la balle, cette fois, ils ne l'ont pas gardé pour la mettre dans les filets adverses. Alors là, la chapeau. Bon, une considération sur l'équipe polonaise? Eh bien, les Polonais m'ont semblé lents, empruntés. Ce sont des gens qui jouent bien au football, mais comme l'on dit, un peu dans le jargon, ça peut téléphoner. Guy qui contre Park Brock ici. Ils jouent, toutes leurs actions sont un peu téléphonées, comme l'on dit, et de façon peut-être un peu, je dirais pas vulgaire, enfin facile, mais je crois que ça, c'est une image qui traduit bien leur proche fondamentale, presque viscérale, que l'on peut adresser. Attention Loubet, tout seul Loubet. Ah, il s'est fait subtiliser la balle ici par Koska. Et puis, ils n'ont pas su résoudre le problème que leur a posé les Français en défense. Vous avez vu, ces tentatives de 1-2 étaient toujours contrées du bout du pied, in extremis, et ça ne passait pas. Et il est certain qu'ils devront revoir pas mal de choses dans leur équipe. Ils ont de très bons joueurs, mais une fois de plus, ça ne suffit pas d'avoir des bons joueurs pour faire une équipe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les Français continuent à dominer. Loubet, ici, qui efface Gmoc, qui va pour centrer, mais je crois qu'il a poussé un peu loin sa balle. En effet, il a poussé sa balle un tout petit peu loin, ce qui permet à la défense polonaise de se dégager. Nous venons de tirer les enseignements de ce match, tout au moins Robert Vagne les a tirés pour vous, et je crois que cette victoire de l'équipe de France, vraiment inattendue, va créer un choc psychologique. Cette équipe de France qui nous a valu depuis la Coupe du Monde bien des résultats en dentelle. Nous avons très très souvent perdu, nous avons très peu souvent gagné. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où la Fédération Française de Football a tenté une expérience en confiant le poste de directeur de l'équipe de France à Louis Dugauguez, que cette équipe de France commence par une victoire. Une victoire à l'extérieur, une victoire, comme vous l'avez vu, importante, puisque l'équipe de France mène par 4-1, va gagner par 4-1, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, nous le saurons dans quelques instants. Les Français, de toute façon, commencent à dominer, continuent à dominer, mais ce qui est incontestable, c'est que cette victoire, vraiment, nous fait plaisir. Il nous faut, je crois, féliciter Louis Dugauguez d'avoir mis sur pied une équipe de France intéressante. Il a tenté une expérience. Il a trouvé vraiment d'excellents joueurs, il a trouvé une équipe, vous avez vu qu'on a joué en équipe sur cette contre-attaque polonaise là. Oh là là là, sur cette contre-attaque polonaise, la tête de Lubanski a bien fallu aller au fond de la cage. Et à nouveau un départ des Polonais, ici c'est Guy qui luttait avec Kowalski. Oui, tout ça nous fait bien plaisir. Un vent nouveau, je le disais tout à l'heure, souffle sur le football français, on le sent depuis le début de cette saison. Et je crois qu'il suffit non seulement qu'il y ait du nouveau au sein du championnat, mais qu'il y ait du nouveau aussi sur le plan de l'équipe de France. C'est très important. L'équipe de France de football, comme toutes les équipes de France, sont le reflet d'une discipline sportive. Attention à Dinalo. Dinalo qui crochette bien. Loubet va arriver. Non, Kotska s'en tire bien. Dinalo revient. Guy va tirer, mais un peu précipitamment. Oui, l'équipe de France, qu'elle soit de rugby, de football, est le reflet de la France à l'extérieur. On attend ces résultats avec beaucoup d'impatience. Et lorsque cette équipe de France gagne, tout cela est vraiment capital. Et aujourd'hui, au stade du 10e anniversaire, alors que M. Marchal vient de siffler la fin de cette partie, la France vient de battre la Pologne en championnat d'Europe des Nations par 4-1. Je voudrais rappeler que les buts français ont été marqués à la 13e minute de jeu par Robert Herbin, à la
La Pologne a égalisé à la 23e minute de jeu par Brzyk. La France, un but a été refusé ensuite à la Pologne, à Suski, à la 28e minute de jeu. Loubet a ajouté le deuxième but pour la France à la 33e minute de jeu. Le troisième but a été marqué par Guy à la 63e minute de jeu. Et enfin, Dinalo a marqué le quatrième et dernier but français à la 85e minute de jeu. Nous quittons donc ce stade de Varsovie sur une victoire française. Inutile de vous dire que nous sommes très satisfaits. L'équipe de France a gagné. Elle a fort bien joué. Alors donc, comme on le dit en rugby, allez France ! C'était Pierre Loctin qui vous parlait depuis le stade du 10e anniversaire à Varsovie. À vous Paris !